coach Jamal Belmadi. Let me announce that we don't have Arabic translation now. So please, French, English, Portuguese, please. So if you have any of your questions in Arabic, please, you speak French. If you can address him in French, please. Thank you very much. First of all, Coach Jamal Belmadi, you come into this tournament with high expectations, good preparations towards the competition. What do you think you'd be able to achieve in this competition? Donc bonjour tout le monde. Ça marche comme. J'ai pour habitude de dire que un tournoi ou une phase finale, tout compétiteur que l'on est, c'est toujours pour avoir un maximum d'objectifs, un maximum d'ambition, au même titre que toutes les autres équipes. Là, rien de surprenant, rien de nouveau. On est tous sur la même ligne de départ. Ensuite, match après match, je pense on va nourrir des ambitions au fur et à mesure, même si on a une idée de ce que l'on veut faire. Mais la réalité sera évidemment le terrain. Riyad, it's the same question for you. How have you guys, the squad, prepared for this competition? Bonjour tout le monde, salam alaikum. On s'est bien préparé, comme toutes les équipes de cette compétition. Comme dit le coach, on a des ambitions comme tout le monde. Après, je pense que le plus important pour nous à l'heure d'aujourd'hui, c'est le match de demain. Bien entamé cette compétition. Et après, on verra match après match. Le premier match est toujours délicat, il met un peu de pression parce que c'est de lui que dépend la suite de la compétition. Est-ce que, c'est une question pour les deux, que ce soit au sein du groupe ou au sein du staff technique, est-ce que ça vous met une certaine pression parce que une appréhension surtout pour le premier match? La pression, on vit avec, j'ai envie de dire, de manière générale. Encore plus chez nous. Donc, si on n'est pas prêt pour ça, si on n'est pas prêt pour gérer justement cette pression, qui fait aussi la beauté de ce sport, c'est qu'on n'a pas grand-chose à faire dans ce domaine-là. Donc, effectivement, un premier match pour aborder une compétition, c'est un moment important. Il y a beaucoup de choses qui peuvent naître derrière ça. On a eu deux exemples sur les deux dernières phases finales où j'ai été responsable de cette équipe. L'une, on a bien démarré en 2019. L'une, on n'a pas démarré comme on aurait voulu en 2021. Donc on a vu le résultat de l'une et de l'autre compétition, ce qui a suivi derrière. Donc évidemment, il va falloir bien entamer ce tournoi-là demain. Inch'Allah. Très bien, notamment notre lieu de travail, à savoir le terrain d'entraînement, où on est tous les jours dessus, et le terrain de match, rien à dire. Vraiment au top. Ensuite, notre lieu de résidence, tout ce qu'il faut, c'est très fonctionnel, on va dire. From Zambia International, Melinda.
Good morning, Coach. Good morning, Riyad. My name is Clifford Mulenga from Zambia. I just have two questions for Coach and for Riyad as well. Coach, in 2019 you won the tournament. 2021 you were knocked out in the first round, which is the best opportunity for you. And then you come into this tournament in 2023, and you have 11 players that have played for teams since 2019, including the captain Mahrez. From your bad experience in 2021, do you expect any changes going into this tournament? And when you look at your history, Algeria has not won a tournament outside of North Africa. Would this be the first time Algeria wins a tournament outside of North Africa? And then for Riyad, you have obviously been one of the best players in Africa over the past 6-7 years. Your work rate is good and you provide a lot of assists for your teammates. There are 11 players of you and your teammates from since 2019 until today. Do you think that this will be the year that you close off maybe your international career with another trophy for Algeria? Thank you. It's okay. Coach, kindly go ahead and answer or react. 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 On a défini ma carrière sur 5 ans, je ne sais pas, mais là, comme j'ai dit, c'est le début de la compétition. Il y en a qui ont fait plusieurs cannes, il y en a qui débutent, c'est leur première canne. On a un peu de tout dans l'équipe, ceux qui ont de l'expérience, ceux qui ont le moment. De très bien commencer avec une 6 sur 5 parce que c'est demain le match le plus important pour nous. Et après, c'est ça qui va décider le futur. Mais comme j'ai dit, on ressent cette petite pression que ressent tout le monde, cette pression de l'avant quand on joue au foot, mais on est confiant et on est prêt. Je réponds en français pareil, parce que vous avez les traductions. Bon, déjà pour le. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par la moitié du. 11 joueurs ou 12 joueurs qui ont joué là. Ça peut être beaucoup, ça peut être pas beaucoup, puisque ça représente moins de la moitié du groupe dans son ensemble. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. En tout cas. Bien sûr que les expériences des deux dernières compétitions ont une importance et on en tire des enseignements, bien sûr. Et ça va normalement, Inch'Allah, nous aider pour cette phase finale. Ensuite, sur cette statistique que nous n'avons jamais gagné de Coupe d'Afrique dans la zone subsaharienne, puisque avant cette Coupe d'Afrique gagnée en Égypte, on n'avait jamais gagné de Coupe d'Afrique en dehors de notre pays. Ça a été fait en 2019. Maintenant, c'est dans une autre partie de l'Afrique, effectivement. Ouais, ça, c'est indéniable, c'est une statistique. Écoutez, les choses sont faites pour être inscrites. Il y a des lignes tous les jours qu'on peut écrire. Et ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent en 2019, pourquoi ne pas le faire pour cette année? En tous les cas, c'est les ambitions de toutes les équipes. On va faire le maximum pour écrire l'histoire. We'll stay on this row before we come here, please. Gentleman in the white t-shirt, please. No, come from the back. Come from the back. Bonjour.
Hassan Ahmed, journaliste de l'Arabe El Jadid Qataria. J'ai une question pour le coach Jamel Belbavi et c'est la même pour Riyad Mahrez. Vous intéressez par les titres individuels concernant si vous remportez la coupe Jamel Belmavi, le meilleur entraîneur de l'Arabe ou l'Africa. Et il y a la même chose concernant la concurrence avec Mohamed Salah, le meilleur joueur arabe. Merci. C'est quoi la question? Est-ce que vous avez intéressé concernant les titres individuels? Non. Ah, rien. Non. Yes, gentlemen there. Bonjour. We'll take the questions here. Salah Fazal, la chaîne internationale algérienne, le 94. Première question, c'est pour le coach Jamel Belmadi. Premier match est très important, surtout après la CAN 2022 au Cameroun, le match d'ouverture. C'est très important aussi de marquer le plus tôt possible pour qu'on ne tombe pas dans le doute. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est la première question. La deuxième question, c'est pour Riyad. Riyad, la CAN au Cameroun, vous étiez un joueur de City, là vous êtes un joueur, vous jouez en Arabie Saoudite pour l'Ahli. Est-ce que ça va vous laisser, on va dire, s'adapter plus facilement au climat qui est ici, en Côte d'Ivoire, et quelle est l'atmosphère au sein du groupe? Merci beaucoup. Et s'il y a une possibilité pour Brian, there is 40 million Algerian people who speak just Arabic. If there is any possibility to get just one question in Arabic from the people. No, there's no translation, so it will be unfair to all the journalists, please. Okay, thank you. Yes. Moi, c'est sûr que le climat que on est ici, il se rapproche un peu de l'Arabie. C'est un peu plus facile pour moi, ouais. Mais c'est pas un grand changement parce qu'on voit que quand on joue à 20h par exemple, il fait très frais. Donc c'est pas une grande différence. Peut-être à 14h, ouais, ça va faire la différence, mais pas pour le premier match. Et c'est quoi la deuxième question? L'atmosphère est... Oh non, l'atmosphère, elle est bonne. Elle est bien. Le groupe il vit bien. Après, voilà, on va pas vous raconter des trucs. Le groupe il vit bien, mais il faut gagner des matchs. Donc c'est ça le plus important pour nous. En tout cas, tout se passe bien. Comme j'ai dit, on a bien travaillé et on sera prêt demain, inchallah. Thank you very much. The question will move towards this direction. Please, guys with the mic. Le premier match, c'est très important de le gagner, mais quand on sait ce qui s'est passé au Cameroun face à la Sierra Leone, est-ce que c'est très important de marquer le plus tôt possible? Comme ça, on espère les joueurs tomber dans le doute, ou c'est un petit peu ça? La chose, c'est que le football, c'est pas... on veut marquer à la première minute, on veut marquer beaucoup de buts, on veut enlever tout doute, comme tu dis, mais il y a un adversaire en face. Et il est décidé à ne pas te donner ce que tu as envie, surtout quand cet adversaire-là n'encaisse plus de but. C'est le cas de l'Angola. Donc, le doute, nous on a travaillé avec ce groupe déjà, pas seulement sur cette préparation d'avant compétition, mais depuis un certain moment déjà. Et un des éléments de travail, c'est que les matchs durent une heure et demie et il faut être capable de jouer avec cette pression, de ne pas avoir un peu jusqu'au bout. Et on va en avoir des matchs comme ça. On ne gagnera pas
on n'aura pas la CAN que l'on souhaite si tout se passe à merveille, dans le meilleur des mondes, à savoir marquer beaucoup de buts, marquer tôt. On n'a pas gagné comme ça en 2019, hein. On a gagné via des moments difficiles, via beaucoup de pression, beaucoup de tension, c'est le sport, c'est comme ça. Donc les joueurs sont prêts à ça. Coach, we go here, please. Gentlemen, first, yes. Here. Bonjour coach. La question, avant le début du stage qui s'était déroulé au Togo, vous aviez quelques interrogations, vous étiez posé quelques questions. Est-ce que le stage vous a apporté les réponses voulues, notamment sur une ou deux hésitations, sur lesquelles, pas hésitation, la réflexion était engagée, voilà, pour trouver le terme le plus juste. C'est ça la question, à la veille de ce match, c'est-à-dire est-ce que ça y est, tout est tranché. Vous avez eu les réponses que vous cherchiez. Concernant Riyad Mahrez, Riyad, ça va être votre cinquième Coupe d'Afrique des Nations, avec des moments de bonheur, mais également des déceptions. Aujourd'hui, il y a également un son nouveau qui a été apporté, avec deux jeunes qui ont intégré le groupe. La question est toute simple. L'état d'esprit du groupe, et par rapport à 2021, où il y avait le Covid à l'époque, est-ce que vous sentez beaucoup plus de sérénité, de tranquillité autour de l'équipe? Merci. Moi, je pense que, ouais, comme tu l'as dit, en 2021, il y a eu beaucoup de circonstances avec le Covid et peut-être moins de temps de préparation pour cette compétition. Beaucoup de joueurs qui étaient malades pour les entraînements, donc forcément, c'était un peu difficile de bien travailler tous ensemble. La différence, c'est que voilà, tout le monde est venu à peu près au même moment. On est tous le même temps de travail. On s'est retrouvés aussi ensemble dans un autre pays. Donc je pense que la sérénité, elle est là. Mais à l'arrivée, comme j'ai dit, on peut être serein, on peut bien travailler, c'est pas ça qui va nous faire gagner les matchs. Il faudra être prêt le jour J, c'est-à-dire demain à 20h. Et je pense, j'ai la conviction que nous sommes prêts, donc on verra demain. Effectivement, les interrogations apportent le terme, sont le lot quotidien des entraîneurs de toute manière. Surtout quand on a plus d'options. Ce fameux problème de riche dans certaines zones, dans certains compartiments, peut donner à réfléchir. Et ça se joue parfois sur des petits détails, sur des petits éléments de travail et de situation que l'on veut mettre en application lors des matchs, en fonction d'une adversité aussi. Et donc oui, il y aura toujours ces réflexions-là. Je ne pense pas qu'il y ait un entraîneur qui puisse dire qui a la possibilité de bénéficier d'un bon groupe. Jusqu'avant le match, dire être sûr à 100% qu'il a. En tout cas, la réflexion, j'aime ce travail-là. Ça veut dire qu'on a des options. Et je sais qu'on a des options. Et que le tournoi, Inch'Allah, sera long. Et ça voudra dire qu'on aura besoin de toutes ces options-là. Mais c'est vrai que le travail tel qu'il a été effectué de manière exceptionnelle, à savoir un certain temps, aide à quelque part faire tomber certaines hésitations ou quoi, puisqu'on a les joueurs au quotidien. Là, ça fait quasiment, pour certains qui ont démarré, quasiment pas loin de 3 semaines. Donc
C'est différent des dates FIFA où on a deux jours de travail, plus ou moins deux jours de travail après une journée de championnat dans les clubs, où c'est un peu plus compliqué. Donc quelque part, sur certains matchs, on teste, on va quelque part, c'est une sorte de test, une sorte de... Et de pari, on va dire, des fois même, sur un ou deux joueurs. Surtout quand ils sont nouveaux. Là, on a eu le plus de temps de bosser, de mettre en place pas mal de choses. Voilà, ça rappelle le travail en club. Et donc, on a beaucoup de réponses à certaines questions. Thank you very much. Guy at the back in white. Bom dia a todos. Júlio dos Santos, jornalista da TV Girassol, Angola. Tenho duas perguntas. A primeira para o técnico Belmadi e a segunda para Riyad Mahrez. Técnico, que tipo de informações tem de Angola? Conhece algumas referências, no caso, jogadores angolanos de referências? Para Riyad Mahrez, há uma espécie de brincadeira nas redes sociais lá em Angola, porque sabemos que a seleção de Angola é muito boa defensivamente e alguns internautas no caso, dizem mesmo que haverá uma luta tremenda entre Riyad Mahrez e Tom Carneiro, até mesmo que a Lunda Gaspar. Estes dois jogadores são defesas. Como é que olha para este momento que se vive também em Angola, sobretudo nas redes sociais? Deixa também alguma pressão como jogador para o setor mais defensivo da seleção nacional? Traduction, on peut mieux faire, je pense. Parce qu'il y a une autre partie de la question, finalement. Bon, je vais essayer de... J'ai plus ou moins compris ce qu'il a voulu dire, mais bon, je vais bien aimer que ce soit un peu plus précis, pour répondre plus précisément aussi. Cette équipe angolaise, bien sûr qu'on la connaît. On connaît son compartiment... défensif, puisque ça tout le monde peut le voir, il suffit de regarder les derniers résultats, les 6 matchs de qualification de Coupe d'Afrique, 2 matchs de qualification de Coupe du Monde, et vous verrez que c'est une équipe qui encaisse peu de buts, donc ça tout le monde peut faire ce travail. Et quand je dis qu'elle n'encaisse pas beaucoup de buts, c'est pas seulement sa ligne défensive, qu'elle soit de 5, qu'elle soit de 4, puisque les deux systèmes sont possibles. Pour cette équipe-là, même s'ils jouent la plupart du temps avec une défense à 4, je sais qu'ils sont capables de jouer avec une défense à 3 ou à 5, comme on veut. C'est plutôt le travail d'une animation collective où tout le monde est concerné, notamment avec ce milieu de terrain de qualité et qui travaille beaucoup, que ce soit Shaw, que ce soit Freddy, que ce soit Keliano. Voilà, on peut en dire d'autres, mais c'est ceux-là les principaux. Donc il y a un vrai travail. Qui a opéré dans cette équipe-là sur cette animation défensive. Mais je sais qu'ils ont des atouts offensifs aussi, que ce soit Dalla, que ce soit Milton, que ce soit d'autres. Donc l'équipe, on la connaît bien. Je pense que toutes les équipes se connaissent, je pense qu'ils nous connaissent aussi. Après, c'est la réalité du terrain, c'est encore différent. Has to. There's a question for Mahrez. Yes. C'est une question pour deux. Je ne sais pas ce que je veux dire. Coach, si l'on peut entrer un petit mot en arabe, parce qu'il y a beaucoup. Microphone. No, not him, this guy. Bonsoir coach, bonsoir Ariane.
beaucoup de supporters algériens vont joindre Bouaké dans les heures prochaines pour supporter l'équipe algérienne. Est-ce que ça va apporter un plus pour notre sélection nationale? Et un petit mot en arabe si c'est possible pour les supporters algériens et pour le peuple algérien sur ce premier match contre l'Angola, pour les deux questions. Oui, bien sûr qu'on a vraiment, vraiment besoin de nos supporters. On sait l'importance qu'ils ont quand ils sont là. Bon, voilà, on a vu quelques vidéos sur les réseaux qui tournent un peu, qu'ils étaient dans les avions et qui venaient en Côte d'Ivoire. Donc voilà, on est très contents et on est vraiment excités de pouvoir commencer ce match demain. Inch'Allah. We don't have to respect the rules. Respect the rules, please. Please give the microphone to you. Bonjour coach. Bonsoir Algérie. Un mot sur la pelouse du stade qui va briser la rencontre. Est-ce que vous avez découvert? Qu'en pensez-vous? Final question. Bonjour coach. Bon, dans cette salle, on a beaucoup parlé sur la CAN 2021 au Cameroun, donc la déception. Il y a des joueurs qui ont participé à la CAN du Cameroun. Est-ce que vous sentez des joueurs revanchards pour cette CAN de Côte d'Ivoire? Merci. Mais il faut savoir que, je l'ai déjà répété, il faut savoir que dans les effectifs, tu n'as pas 200 joueurs. Hein. C'est pas d'une canne à une autre, tu changes 100% de l'effectif. C'est normal qu'il y ait des joueurs. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui jouent 4, 5 Coupes d'Afrique. C'est parce qu'ils ont une carrière pendant 10 ans et ils peuvent faire tous les 2 ans de Coupe d'Afrique. Donc c'est de revoir des joueurs, c'est tout à fait normal pour moi. Ça devrait l'être pour vous aussi. C'est quelque chose de facile à comprendre, ça. Mais tous autant qu'on est, les joueurs en premier lieu, puisque c'est eux qui sont les acteurs principaux, on a tous envie de faire une grosse compétition, on a tous envie de montrer que cette CAN est un incident. C'est pas le lieu ni le moment pour parler des circonstances, on l'a déjà dit. Soit on en fait abstraction, soit on n'en fait pas, ça dépend de comment on se place. Mais en tout cas. On a tous envie de faire une bonne compétition. Thank you very much, Coach Jamal Belmadi and Riyad Mahrez. Good luck for tomorrow.